Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence par le mot du jour d'aujourd'hui. Le mot du jour d'aujourd'hui est incongru. Incongru. Je vous l'écris tout de suite. Et alors, est-ce que vous avez trouvé ce que voulait dire incongru? Quelque chose d'incongru est quelque chose qui est contraire aux usages, on pourrait dire déplacés. Par exemple, on peut avoir des propos incongrus, des choses qu'on dit qui sont déplacées et qui ne devraient pas se dire. Avez-vous trouvé la nature du mot incongru? C'est un adjectif. On a fait pas mal d'adjectifs ces jours-ci, hein? Quel est son genre? Il est masculin parce que s'il avait été féminin, il y aurait eu un E. Tout à fait. Et au pluriel ou au singulier? Quel est son nombre? Il est singulier parce que sinon au pluriel, il y aurait eu un S. On corrige le compte bon d'hier avec une proposition de Tilia suivie par des propositions de Lucas. Et je vous propose le dernier compte bon avant les vacances. Alors hier, nous avons fait la classe virtuelle en calcul mental avec les CE2 CM1 puis avec 2 CM2. C'était sympathique. On a pu utiliser par exemple avec Iliane et Enki le tableau et vous avez pu écrire sur le tableau, c'était sympathique. Voilà, et puis il y avait quelques CM1 et quelques CE2. Bravo aux fidèles qui sont toujours là. Que vous dire de plus? Pour aujourd'hui, la classe virtuelle est proposée à 11h15 pour les CE2 CM1 et à 13h30 pour les CM2 pour faire la dictée bilan. Que je vous ai prévu un programme de la journée, on va dire, plutôt cool avec un escape game numérique, un peu différent pour les CM2. Par contre, le CM2, vous pouvez aussi faire celui de CE2 CM1 si ça vous tente. Pour les vacances, je vous prévois un tout petit programme de travail, pas grand-chose, voilà, quelques lignes directives, mais surtout du repos et voilà, profitez des vacances. Voilà, je vous rajoute que, si Iliane m'a dit de vous le dire, que mardi, il y avait à la télévision mardi soir le deuxième tome d'Harry Potter que je suis en train de vous lire, donc en film. Donc voilà, c'est mardi soir à la télévision. Et il fallait aussi que je vous dise que bah, je ne sais plus. Si je vous ai mis dans les images qui suivent les pyramides que j'ai reçues hier. Bravo à ceux qui font la reconstruction. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous dis à très vite.